Malgré la pluie, rien n'arrête la joie de ses enfants. Direction Abengourou, dans la région de l'Indénié de Joablin, pour 14 jours inoubliables de colonies de vacances. Le top départ a été donné le mardi 18 juillet à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Je suis très heureux, c'est ma première fois de participer à cette colonie. Donc je suis contente. Je suis heureuse parce que je vais voir des nouvelles choses, visiter des nouveaux coins. J'ai hâte d'aller à Bengourou et de découvrir des nouvelles choses. Âgés de 7 à 14 ans, les enfants seront logés dans les locaux du CAFOP. Ils participeront aux diverses activités à caractère culturel, éducatif et de loisirs. L'objectif étant de faire de ces congés des vacances instructives. La garantie que nous donnons en tant que représentants du ministère du Tourisme, déjà, ça a commencé par l'organisation. L'organisation au niveau de la sélection. Et vous avez entendu plusieurs intervenants dire ici qu'ils avaient un carnet. C'est déjà un gars de suivi des enfants. Cette colonie d'État, justement, qui a lieu à Abengourou, permettra donc à nos différents enfants de rentrer de plein pied, on va dire, dans la culture ivoirienne. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire.